Le certificat s'adresse à tous ceux et celles qui portent une interrogation croyante, c'est-à-dire qui sont curieux de l'humain, de ses quêtes de sens, et puis qui veulent en apprendre davantage sur le croire chrétien. Comme ces programmes peuvent être réalisés entièrement à distance, ils facilitent grandement la conciliation des études avec le travail et la vie personnelle. Les cours qui sont offerts sont aussi contributoires à d'autres programmes en théologie qui, eux, donnent accès à des emplois en milieu ecclésial, mais aussi en accompagnement spirituel, notamment dans les institutions publiques. Ils permettent aussi de poser un regard réflexif et critique sur ce que le christianisme porte à cet égard-là, sur la question du croire. Je pense ici au christianisme d'hier, mais aussi d'abord au christianisme d'aujourd'hui, avec ses questions nouvelles, avec ses textes, ses traditions, avec ses rituels, mais aussi avec ses spiritualités qui sont toujours en mouvement. Faire de la théologie à l'Université Laval, c'est aborder un ensemble de questions passionnantes, d'actualité et qui sont aussi profondément humaines. Par exemple, comment accompagner les quêtes de sens et les quêtes croyantes aujourd'hui? Comment habiter une tradition religieuse particulière dans un contexte séculier et ecclésial qui, lui, est marqué par le pluralisme? Autre question importante, comment approcher les textes fondateurs, les textes bibliques, les textes de la tradition? Comment prendre en considération leur enracinement historique, le contexte dans lequel ils ont été produits? Comment prendre en considération les genres littéraires qu'ils portent, sans perdre de vue et en approfondissant l'expérience croyante qui se dit dans ces textes-là? Bref, faire de la théologie à l'Université de Laval, étudier le croire chrétien, c'est approfondir, c'est s'interroger de manière rigoureuse, c'est développer des langages nouveaux, c'est développer des nouvelles manières de faire, et puis tout ça pour un meilleur vivre ensemble.